là où nous allons finir. Deuxième chose. Jambo la pile. Les blés. Gano. Vous les semez solides. Unaipanda ikiwa nzito. Mais comme c'est les blés. Lakini evening gano. Il doit pousser. Itaota tu. Il va de pousser. Il doit pourrir. L'ancienne semence. Il doit pourrir pour que la vie qui est dedans soit nouvelle. Il uzima uliondani iwe mpya. Un élu. Muteule. Il peut avoir vécu tous les péchés qui existent sur la terre. Unaweza kuwa uliishi katika zambi zote zinazo. Mais lorsqu'il est placé lakini sous la parole, anawekwa chini ya neno, il y a quelque chose qui se produit. Kuna kitu kitakazo zalika. L'ancien bain. Ya zamani na kufa. Il y a un nouveau. Kuna kuwa iliyo nyipya. C'est le numéro 2. Hiyo ni namba ya pili. Maintenant je te pose la question. Sasa nikuulize. Quand tu te vois, unapojichunguza, comment tu es né, namna ulivyozaliwa, comment tu as grandi, namna ulivyokoma, et jusqu'à cet âge, mpaka umri unayo, comment tu as cru, namna ulivyoamini, comment tu as été baptisé, namna ulivyobatizwa, comment tu es entré dans les messages, namna ulivyoingia katika ujumbe, ou comment tu es entré dans les églises. Au namna ulivyoingia makanisani. Est-ce qu'il y a quelque chose dans toi que tu sens qui est mort ou bien tu sens qu'il n'y a jamais eu de changement? Je, kuna kitu umegundua kwamba ulikufa kwa acho au ungali katika hiyo hali yako ya tangu awali? Si oui. Kama ndio. Mete vrai. Weka vema. Si non. Kama apana. Mete non. Weka apana. Maintenant. Sasa. Tu sens que sa mère parce que tu as peur de gens ou tu sens que ça disparaît de soi-même sans fournir la honte ou pas que tu as peur de gens? Je, unahisi mwenyewe kwamba imekwisha kufa au unaifanya kwa kuogopa macho ya watu? Ou bien au le changement est automatique. Mabadiliko yanakuja bila shida. Et des fois, na mara, tu n'as pas besoin de ce que les gens diront. Hautakuwa na haja ya yale watu watasema. Tu sens que c'est toi ta conviction qui te fait changer, pas parce que tu as peur de papa, de maman, de frères, de sœurs, du pasteur, d'être excommunié. C'est un changement qui vient comme ça. Unahisi ya kwamba unashurutishwa kubadilika sababu hautaona macho ya watu, maana ni hivyo. Sikia. Kuna nini? Écoutez. Tangia uko mwenda kanisa. Ndio. Depuis que tu fréquentes l'église. Tangia umezo ya kuwa mkristo. Et depuis que tu t'es habitué à être chrétien. Unajijua. Tu te connais. Hakuna mtu anakujua kushinda wewe mwenyewe. Il n'y a personne qui te connaît mieux que toi-même. Je, kuna kitu nasikia kimekufa. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est morte? Ama. Ou bien? Kuna vitu na kwaka na funika funika. Il y a des choses dont tu continues à couvrir. Mais, bange kupa uhuru wa kubifanya. Si on te donnait la liberté de le faire, unaweza fanya madega. Tu peux commettre des dégâts. Ama unaogopa usharati kwa sababu unaogopa mimba. Soit tu crains l'adultère parce que tu as peur de la grossesse. Si kwamba umeogopa Mungu. Non, non. C'est pas parce que tu crains Dieu. Ama unaogopa. Ou tu as peur. Kuiba kwa sababu asikutie kumtandao. De voler pour qu'on ne puisse pas te publier dans les réseaux sociaux. Wala unamulea vizuri mume wako. Ou tu es en train de bien prendre ou de traiter ton mari. Kwa sababu ni mkali. Parce qu'il est méchant. Angekuwa mpole. Mais s'il était doux. Ungemtawala. Tu pourrais les dominer. Ni kitu kiko mwewe. C'est quelque chose qui est dans toi. Kimetulia si kwa sababu ya Mungu. Qui est juste et apaisé, c'est pas à cause de Dieu. Kwa sababu ya haya na watu. Mais c'est à cause de la honte des gens. Ama. Ou. Vile unajijua. Façon dont tu te connais. Kuko bitu unajua ya kwamba unabiacha tu sibifanye. Il y a deux choses dont tu abandonnes, tu dis c'est moi je ne veux pas le faire. Kwa sababu mazingira ya kubifanya hayaja kuwa. Parce que l'environnement n'est pas propice pour toi. Haubifanyi kwa sababu haujagusa dollar. Tu ne le fais pas parce que tu n'as pas encore touché l'argent. Lakini siku zitakuya. Mais les jours qui viennent. Tatuonyesha cha mtema kuyo. Tu nous montreras qui tu es. Parce qu'il y a les gens qui semblent être doux parce que l'argent n'est pas encore là. Amen. Mais s'ils le touchent, la femme, l'épouse n'est plus la femme, il y a une autre là à l'extérieur.
Ah bon? Il y a le paganisme qui ne peut pas se manifester avant d'être riche. Ah bon? Ce paganisme-là dort à cause de la pauvreté. Ah bon? Dio. Ah oui. Dio. Ah oui. Il y a le paganisme qui arrive. Parce qu'il t'a retrouvé dans son environnement propice. Ah oui, oui. Alors, ça, ça. On dit ceci. Inasemwa hivi. Le blé, si le blé ne meurt, il ne peut pas produire. Et quand vous voyez cette image ici, ils sont morts. Zinakufa, pour qu'il y ait la naissance. Ili kwamba kuwe kuzaliwa. Et vous n'allez jamais arriver na, hautafikiaka kamwe à manifester le blé kuzirishangano, si la vie qui est à l'intérieur n'est pas pourrie. Kama uzima ulio ndani haikuoza. Je l'ai expliqué le dimanche passé. Nilifasilia Jumapili iliyopita. Ainsi. Kwa hivi. Peu importe si vous les femmes, haijalishi ninyi watu wa mashamba, si jamais vous avez du bon blé, ama unaweza kuwa na ngano nzuri, à moins que ce blé soit mis en terre, isipokuwa ngano hiyo iwekwe udongoni, et qu'il meure là, na ikufie mule, à lui-même, kwa yeye mwenyewe, il ne donnera jamais une nouvelle vie. Haitatowaka kamwe uzima mpya. Il en est de même du croyant. Ndivyo ilivyo kwa muamini. Peu importe combien il est bien instruit. Haijalishi amefunzwa vizuri kiasi gani. À moins qu'il meure dans son intellect. Isipokuwa afe katika akili yake. Il ne naîtra jamais de nouveau. Hakuna siku atazaliwaka upya. La grande commission, paragraphe 40. Ujumbe unaoitwa ile kazi kubwa mtajo wake wa 43. Jo ya, ya pili. Ça c'est la deuxième caractéristique. Tous les ans. Demandons-nous. Voilà. Monsieur. Depuis quoi? Depuis que tu es ici. Deux ans. Miakamiwili. Trois ans. Miakamitatu. Quatre. Miakamine. Pourquoi Bibi a pu connaître ce matin? N'a tout rien de quoi le bêter, les n'a tout si un des mi aussi à un akamouyou moutou qui tout gagne à Natosha Kakoule. Pourquoi ta femme peut continuer à dire que même si nous allons à l'église, à El Bethel, je n'ai jamais vu de changement dans mon mari? Pourquoi Bibiako? Pourquoi ta femme? Haya Koutiliaka confiance. N'a jamais placé confiance. Malgré Onakouyaka. Malgré que tu viennes ici. Les autres femmes passent ici. Que Dieu soit béni. Ce mari ici. Il m'avait persécuté. Mais aujourd'hui, après avoir été ici, vraiment je rends grâce à Dieu. Nous sommes bien. Nani 4 mois. Et ça fait juste 4 mois. 2 ans. Mais toi, ça fait 2 ans que tu es ici. Tu es quelle semence? Les autres maris, micro, si on leur donne le micro, aseme kukuhusu bibiak, et qu'ils témoignent concernant sa femme, tout atasema mpaka tunamwambia frère achia pale. Il va parler et puis on va dire frère. Tunaelewa kama ulipata dada. Nous avons compris que tu as trouvé une sœur. Weye bakimupa micro. Mais toi si on donnait à ton mari le micro. Bamwambia aseme. Et qu'on lui dise de parler. Tutafunga masikio. Nous allons boucher nos oreilles. Kwa sababu? Parce que muda yote mko pamoja. Tout le temps que vous êtes ensemble. Haone kitu. Il ne voit rien. Kanisa lile lile, la même église, mahubiri ile ile, le même prédication, mchungaji ule ule, le même pasteur, ibada ile ile, le même culte, huyu anashuhudia mabadiliko, mais l'un témoigne le changement, wako hashuhudii, le tien ne témoigne pas, zote ni ngano, est-ce que tous sont des blés? Never, never, jamais. Amen, amen, amen. Haikuoza. La graine n'a pas pourri. Il est encore. Il est encore solide. Et s'il n'est pas encore mort, il ne peut pas produire. Et on va rendre grâce à Dieu. Quand une femme peut dire vraiment mon mari est ivrogne, aujourd'hui il ne prend plus la boisson. Donc, pombe, il est C'est-à-dire que la boisson est morte.
Ce cercle dont nous sommes en train de parler. Vous voulez que j'utilise quel genre de terme? La mort de la semence, c'est le changement des anciens caractéristiques right. pour les nouvelles vies. Amen. Belange pata frank. Avant, il pouvait trouver l'argent et rentrer une heure du matin. Mais aujourd'hui, il trouve l'argent et il m'appelle. Chérie, est-ce que vous avez quelque chose à la maison? Chérie, est-ce que vous avez quelque chose à la maison? $100 J'ai $100 ici. Si tu n'en as pas, comme je vais rentrer la nuit, prends la moto pour que tu prennes l'argent là où je suis pour que tu puisses te débrouiller à la maison. Il y a celui-là donc qui rentrait à 1h du matin. Et l'autre qui est en train d'appeler, tu es où pour venir prendre la ration? Il y a celui-là dont, dans l'ancien temps, je ne pouvais pas laisser ma petite sœur quand je voyage. Oui, oui. Si je rentre, les nouvelles que ma petite sœur me donneront, ce seront de. Mais où il aller? Uyu leo mais le ni ule il est encore le même. Naweza safiri na mimi naacha petite sœur mu nyumba. Donc je peux voyager et laisser ma petite sœur dans la maison. Na sanda rudia. Et quand je vais rentrer, dada nanambia, la sœur va me dire, papa lituombesha maombi. Papa nous a encadré dans la prière. Akatushauria. Il nous a conseillé. Akatusomea Bible. Il nous a lu la parole. Akaomba. Il a prié. Kaenda lala. Et nous sommes partis dormir. Et voilà, hakunyonyomba mushambre usi. Est-ce qu'il n'a pas il n'est pas venu dans la chambre? Bana hakugusa na non, il n'a même pas touché sur la porte. Pourquoi tu continues à faire des... Toi, tu continues à te réveiller la nuit pour aller toucher les filles qui sont dans ta maison. Quand est-ce que tu es mort? Alléluia! Amen! Mourez spirituellement! Que vous soyez né de nouveau! La civio moukoma gougou! Si ce n'est pas le cas, vous êtes encore délivré. Amen. 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 Vous allez voir, les boucs sont remplis dans l'église. Et ceux qui vont le raconter vont dire, il appartient à LBT. Est-ce qu'on vous a dit que c'est le blé? Et même l'ivraie était dans les champs. Oui, oui. Et on vous dit que le pasteur a demandé est-ce qu'on peut déraciner cela. Mais Paul lui a dit il a déraciné, il les a jetés en dehors de l'église. Il a dit, si vous voulez que l'église tombe, je vous arrache. Tu ne dois pas être dans une église où les serviteurs doivent avoir peur de prendre des décisions sur toi. Amen, amen. En se demandant si on prenait des décisions, il y a les autres qui vont tomber avec toi. Où sert oui, frère. En disant cette soeur, c'est très dur. Si vous devenez très dur envers elle, il peut faire tomber sa femme. Il faut continuer à les gérer d'une manière pour que la sœur soit parfaite. Oh. Tu es livré. Amen. 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 Et Jésus l'a dit. Je n'ai pas besoin de l'écrire ici. Jésus l'a dit. Yesu alisemaka. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Qu'est-ce que cela fait? Hiyo yafanya nini? La vie que j'ai menée autrefois. Maisha niliishi zamani. A dit Paul. Paulo alisema. Je ne la mène plus. Siya ishi tena. Si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ en moi. Pourquoi? Il l'a élevé de ce bas niveau de péché du monde jusqu'au niveau où nous pouvons nous-mêmes regarder en arrière. Sorry. Amemuinua kutoka hali ya chini ya kidunia.
mpaka kiwango unainuliwa juu uwe unangalia nyuma kwenye unatoka. Ndio ndio. Regardez en arrière et voir d'où nous venons. Kuangalia nyuma na kuona kwenye tumetoka. Sifa. Regardez en arrière. Kuangalia nyuma. Et voir où nous vivions autrefois. Na kuangalia kwenye tulikuwa naishi zamani. Unatoka mahali ya chini. Quitte dans le bas niveau. Unapandishwa mahali ya juu. On te lève là-haut. Unakuwa unaangalia kipagani ilikuwa kama kule. Tu commences à regarder là en arrière le paganisme dans lequel tu étais. Tu as déjà monté dans les hauts niveaux. Napiga mahabari sema bana zamani. Tu peux témoigner en disant dans l'ancien temps. Ko frère mwenye aliniambia la fois passée. Il y a un frère qui m'a dit la fois passée. Mina regrette kama mulificha maka wapi miaka zote. Pasteur, je regrette vraiment comment est-ce que vous étiez caché tout ce temps. Niko na regrette muda yangu nilipoteza na si ayua hapa. Je suis en train de regretter tout le temps que j'ai passé sans connaître ici. Ingekuwa niko sawa bale benye nilikutana mule. Si j'étais comme ceux dont j'ai rencontré là-bas. 5 ans na mie niko nishazimaliza mule. Que 5 ans aussi je les ai passé aussi dans cette vie. Hakuna mtu angelikuwa na niveau yangu mule mbele. Il n'y a personne qui aurait mon niveau dans. Kuna regret mulikuwa kawapi? Vous étiez où? Mutuko na regrette miaka zenye limaliza na haya yua ukweli. Amen. Alikuwa kama makanisa. Et il était dans des églises. Me anafika ku niveau fulani. Mais il arrive à un certain niveau. Anaona vitesse iko napanda amo. Alléluia. Anaiona ya haraka. Kuliko vitesse alitumikisha kule. Par rapport à la vitesse qu'il a utilisée là dehors. Anaweza ona mbali kwenye natoka. Voir en arrière là d'où il vient. Na nasema tunatoka mbali. Et il dit nous venons de loin. Vraiment. Mais ouais, toi, hakuna changement. Il n'y a pas de changement. Na uki change, et quand il change, ni joue ya batu. C'est à cause des hommes. Amen. Tu as peur des choses pour ne pas être excommunié, mais ce n'est pas parce que tu ne le veux pas. Et quand tu entends, tu dis, on va t'excommunier. Quelqu'un ne peut pas vivre pour ne pas être excommunié. Non. Tu amen, vis parce que tu aimes Dieu. Tu vis parce que tu aimes Dieu. Et tu abandonnes les choses parce que. Non pas parce que l'occasion n'est pas là, l'occasion s'est présentée, mais tu les as abandonnés parce que tu ne veux pas. Vous croyez que nous abandonnons la boisson parce qu'on ne sait pas là où elle se retrouve? Vous croyez que nous abandonnons l'adultère parce que là dehors nous pouvons manquer même une femme qui va nous aimer? Au munaweza tuko tunaenda mu mapolitique jua tuna ma licence na ma diplome na ma akili za kuifanya. Munaweza mwenye bako mu politique bana tushinda. Vous pensez que nous ne partons pas en politique parce que nous n'avons pas de diplôme qui peuvent nous permettre d'y aller? Ceux qui sont là nous dépassent en quoi? Munaweza na sisi tukienda hatuwezi kufanya hatuwezi fanya mobilisation. Et vous pensez que si nous y allons nous ne pouvons pas aussi mobiliser les gens? Munaweza ni akili kidogo njoo na tumetrize tu hapa. Donc vous pensez que c'est une petite intelligence qui nous maîtrise ici? Ah benye bakwa mo balisomia kuma somo zenye ba frère hapa hapa kusoma. Ou parce que ceux qui sont dans la politique ont étudié dans des écoles que nous n'avons pas fréquentées? Non non. Amen. Mais nini nakuzuia? Mais qu'est-ce qui nous bloque ici? Ni uhai wa Mungu. C'est la vie de Dieu. Inakubana. Il te prend. Inakukataza. Et il t'interdit. Na unasikia iko na kusukuma katika utakatifu. Sans qu'il te pousse dans la sainteté. Bila macho ya unatam. Sans les yeux des hommes. Amen. 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 Gano. Le blé. Magugru. Est livré. Amen. Amen. Amen.